just make that up, then hallelujah. Amen. Amen. Whew, the Lord is in this place. Le Seigneur est dans ce lieu. There is joy in the house. Il y a la joie dans le Seigneur. Just a little bit, I'm going to ask the other members of the family. Dans quelques instants, je demanderai aux autres membres de la famille de s'approcher également. But first, I would like to speak to the parents. Aujourd'hui, je voudrais d'abord parler aux parents. And what I want to do today is I want to extend the message that I feel for the parents. Et j'aimerais étendre le message que je sens pour les parents. That I feel God wants to put them in their hearts. Le message que je sens que Dieu veut mettre dans leur cœur. I would like to extend it to the entire church. J'aimerais l'étendre à toute la famille de l'église. Amen. So this is going to be a baby dedication. Ça sera une dédication, une dédicace de bébé. And a message for the entire church. Mais également un message pour toute l'église. Is that okay? Est-ce que ça va pour elle? Amen. If we can, let's turn in our Bibles. Si nous pouvons tourner dans nos Bibles. In Joshua chapter 24. Dans Josué 24. Joshua 24 and verse 14. Josué 24, 14. It's a very familiar passage in the Bible. Un passage des Écritures très familier. Joshua 24 and 14. Now let me just tell you this. Et laissez-moi vous dire ceci. Ezekiel went on youth camp with us. Ezekiel est parti avec nous au camp des jeunes. And I've never seen. Et j'ai jamais vu. Such a peaceful. Un enfant tellement paisible. Baby. It's incredible. C'est incroyable. Every time I looked at him, he was sleeping. À chaque fois que je regardais, il dormait. Il était gâté. He had four sisters standing with the buggy. Il y avait toujours quatre filles autour avec le buggy. He was so, so gentle and nice. Il était tellement calme et gentil. Amen. And I'll give you some more information afterwards. Et ensuite, je vous donnerai plus d'informations. Let's first get into the word. Mais allons dans la parole du Seigneur. Joshua 24 and 14. Josué 24, 14. The Bible says, "Now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord." Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verse 15 says, And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parents, I want you to listen closely to the next couple of things that I'm going to tell you. Et parents, j'aimerais que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. Amen. Don't let the baby distract you. Que le bébé ne soit pas une distraction. It doesn't matter, bother me at all. C'est, les petits bruits ne me dérangent pas du tout. I'm happy to hear his voice. Je suis heureux d'entendre sa voix. Amen. One time, an old man in Cyprus. Et une fois, un homme, un vieillard à Chypre. Nathaniel was really crying loud. Nathaniel pleurait très fort. And we were doing a guided tour. Et on était dans une visite guidée. And the poor people could not hear the guide because he was crying so loud. Et les autres touristes ne savaient pas entendre le guide à cause des pleurs de Nathaniel. And I felt so embarrassed. Et j'étais tellement embarrassée. And I put myself aside with Nathaniel. Et je me suis mis sur le côté avec Nathaniel. And an old man stepped out of his chair and walked towards me. Et le vieillard est venu chez moi. And you know what he said? Vous savez ce qu'il a dit? Don't worry. T'inquiète pas. The voice of the child. Le cri d'un bébé. It's his only power. C'est sa force. That's the only thing he has. C'est la seule chose qu'il est. And I was like, what? Et j'étais comme. It was like this.
Such wisdom that he said. C'était une telle sagesse. Out of nowhere, this old guy tells me this. De nulle part, ce vieillard vient et me dit ça. And it's true what he said. Et c'est vrai ce qu'il a dit. The cry of a child is its own power. Le cri et le pleur d'un bébé, c'est sa seule puissance. Let him use it. Laissez-le utiliser cette force. Amen. C'est entre parenthèses. Entre guillemets. Parenthèse. Thank you. Amen. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Our life's path. Le chemin de nos vies. Is an accumulation. Of choices that we make. Est une accumulation de choix que nous faisons. Amen. In our lives, we will take some good decisions. Et dans nos vies, nous allons prendre de bonnes décisions. Some good choices. De bons choix. And some less good choices. Et des choix moins bons également. Some bad decisions. De mauvaises décisions. That will lead us to places where God did not intentionally want us to bring. Qui vont nous diriger vers des endroits que Dieu n'avait pas prévu auparavant. There is, however, one choice. Il y a un choix. That we all need to make. Que nous devons tous faire. And especially you parents, you need et to make. Vous, parents, vous devez faire ce choix. And that choice is. Et c'est, will I and my house serve the Lord? Est-ce que moi et ma maison allons servir l'Éternel? And I want to extend the question not just to the parents here today, but to the rest of the church. Cette question n'est pas simplement pour les parents ici, mais pour toute l'Église. All you parents. Vous tous parents. And all you children. Et vous tous les enfants. And all the young people, and all the adults. Vous tous les jeunes, les adultes. Have to make a deliberate choice. Vous devez prendre ce choix. Will I and my family serve the Lord? Est-ce que ma famille et moi allons servir l'Éternel? Amen. You see, Joshua took God's people to the promised land. Et Josué a emmené le peuple de Dieu dans le pays promis. He conquered many giants. Ils ont dû vaincre beaucoup de géants. And at the end of his book. Et à la fin de son livre. In Joshua 24. Dans Josué 24. We read that he wants to distribute the inheritance of God's people among the promised land. Et nous voyons qu'il veut partager ce pays promis entre les tribus. Every tribe receives his portion of the land. Et chaque tribu a reçu une partie du pays. But when Joshua did that, he saw that there were still many false gods living among their families. Et quand Josué a fait ce partage, il a vu qu'il y avait beaucoup d'idoles dans les familles. There were still many idols in their homes. Beaucoup de faux dieux dans les maisons. And you know what he said? Vous savez ce qu'il a dit? Said if you and your household, il a dit si vous et votre maison, your house, ta maison, if you keep living with these idols, si vous continuez à vivre avec ces idoles, and these false gods, et ces faux dieux, it will impossible for you, ça sera impossible pour toi, to serve the Lord, de servir également le Seigneur. It will be impossible for you. Ça sera impossible pour toi. Because Joshua said he is a holy God. Parce que Josué a dit que le Dieu est un Dieu saint. And he will not forgive your sins. Il ne pardonnera pas ce péché. And so Joshua gives a command to the families. Et Josué donne un commandement aux familles. Not to the individuals. Pas pour les individus. But he speaks to every tribe. Mais à chaque tribu. Every household. À chaque famille. And every tribe had his responsible, his priest. Et chaque tribu avait son sacrificateur, son responsable. In your household, every household has his own. Et dans chaque maison a un chef de famille. And whether you want it or not, Philippe, et que tu le veuilles ou pas, Philippe, it's you. C'est toi. You are the priest of your house. Tu es le sacrificateur de ta maison. It is not me. Ce n'est pas moi. It is not your brother or your sister. Ce n'est pas ton frère ou ta belle-sœur. It's not your parents. Ce n'est pas tes parents. You are the priest of your house. C'est toi qui es le chef de ta famille. You are responsible for the person sitting next to you and the baby you hold. Et tu es responsable de la personne qui est assise à côté de toi et du bébé que tu tiens. And so as Joshua said it in the book of Joshua. Et comme Josué l'a dit dans son livre. I will present both of you with a choice today. Et je vais vous donner un choix aujourd'hui à vous deux. He said in verse 15. Au verset 15, il a dit. Choose this day who you will serve. Choisissez qui vous allez servir. The false gods of Egypt. Les faux dieux d'Égypte. False idols on the other side of the brook. Les idoles de l'autre côté du fleuve. Or will you choose
the Lord God Almighty. Où est-ce que tu vas choisir le Dieu Tout-Puissant? And Joshua answered the question himself. Et Josué a répondu à la question lui-même. And he said, as for me and my house, il a dit, moi et ma maison, we will serve the Lord. Nous servirons le Seigneur. And church, et église, people around you may choose different. Les gens autour de vous vont peut-être choisir des choses différemment. But you will have to make the choice. Mais vous devez faire ce choix. Me and my house, moi et ma maison, we are going to serve nous the Lord. Servirons le Seigneur. You have to choose vous who devez you choisir want to serve. Qui vous voulez servir. Because the person or the God you are serving, parce que la personne ou le Dieu que tu vas servir, it or he will become your master. Sera ton maître. And you will become his subject. Et tu seras assujetti. If it is another god, you will become his subject. Et si tu sers un autre dieu, tu seras sujet à ce dieu. If you as a family decide my job. Et si vous décidez en tant que famille que mon travail. Money. L'argent. I will do anything to have more money. Je ferai tout pour avoir plus d'argent. Money will become your god. Alors l'argent deviendra ton dieu. And your family will suffer. Et ta famille en souffrira. Right. It will have more money. Je veux avoir plus d'argent. But it will be, we will have less of God. Ta famille aura plus d'argent, mais elle aura moins de Dieu. You have to choose. Vous devez faire un choix. Who will you serve with your house? Qui allez-vous servir? Amen. Amen. Sister Dorothée. Sœur Dorothée. Brother Philippe. Et frère Philippe. Serving the Lord. Servir le Seigneur. Is a choice. Est un choix. Right. Church, église, serving the Lord, servir le Seigneur, is a choice. Est un choix. It doesn't come from father to son. Ça ne c'est pas quelque chose qui vient de père en fils. You do not inherit serving the Lord. Vous n'avez pas le service à l'Éternel comme héritage. You don't adopt it just because your parents do it. Vous ne servez pas le Seigneur simplement parce que vos parents le font. You don't inherit it because of the culture that you live in. Vous n'avez pas ça en héritage à cause de la culture dans laquelle vous vivez. Every one of you sitting here today. Chacun ici assis aujourd'hui. Will arrive on that crossroad. Vous allez arriver à ce carrefour. Maybe you've been there. Peut-être que vous êtes déjà arrivé là. Maybe you feel you're very close to it. Peut-être que vous vous sentez très proche de ce carrefour. Or maybe it's still in the very distance. Et peut-être que ce carrefour est très loin. But let me tell you, mais laissez-moi vous dire, you will come to a point, vous allez venir à un moment, where he will ask, où Dieu vous demandera, who will you serve? Qui vas-tu servir? Me, moi, or another god? Ou un autre dieu? It's a deliberate choice that you have to make. Et vous devez faire ce choix vous-même. Where you have to verbally say to God. Vous devez dire verbalement au Seigneur. Within the heart of hearts. Dans au plus profond de ton cœur. Utter it with your mouth. Et le proclamer avec ta bouche. I choose to serve you. Je choisis de te servir. Families that are present here, fathers and mothers, les familles qui sont présentes ici, les pères et les mères, choisissez to serve the Lord de servir l'Éternel avec toute votre famille. It is the best thing that you can do. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Choose to serve the Lord. Choisissez de servir le Seigneur. Amen. Now you both have to make that choice for yourself. Et vous devez faire ce choix pour vous-même. Let me tell you. Mais laissez-moi vous dire. People will discourage you. Les gens vont vous décourager. In the choice that you will make. Dans le choix que vous allez prendre. Right. They will discourage you. Ils vont vous décourager. They will think that you are different. Ils vont dire que vous êtes différent. They will tell you Ezekiel needs to grow up as a normal child. Ils vont vous dire mais Ezekiel doit grandir comme un enfant normal. He doesn't always need to be in church. Il doit pas toujours être à l'église. Let him play with his friends. Laisse-le partir jouer avec ses copains. Don't be so strict with him. Ne soyez pas tellement strict avec He's lui. He's gonna get tired of the Bible. Il va se fatiguer de la Bible. He's gonna get tired of always hearing God. Il va être fatigué de toujours entendre Dieu, Dieu, Dieu. They're gonna say it will turn against you. Et ils vont essayer de. It will turn against. Ézéchiel va se rebeller contre vous. But if you today say no. Mais si aujourd'hui vous dites non. Me and my house. Moi et ma maison. I don't care what the rest says. Peu importe ce que tout le monde pense de dire. We will serve. Nous servirons le Seigneur. Because we have a promise in the Bible. Parce que nous avons la promesse dans la Bible. That says if you train a child in the ways of the Lord. Qui dit que si tu éduques ton enfant dans les voies de l'Éternel. When he is older. Quand il sera plus vieux. And he departs from his et ways. Et qu'il se détourne de son chemin. God will bring it back to his remembrance. Le Seigneur va revenir à son mémoire. Et il va le remettre dans le droit chemin. Ça c'est la promesse.
si vous avez dans la Bible. They will discourage you. Ils vont, les autres vont essayer de vous décourager. They can choose the gods of Egypt. Ben, les autres peuvent choisir le dieu de l'Égypte. But as for me and my family. Mais moi et ma famille. Family bless. La famille bless. I hope I pronounce it right. J'espère que j'ai bien dit ça. We will serve the Nous Lord. Nous servirons le Seigneur. We will serve the Lord. Don't care what happens. Peu importe ce qui se passe. Dorothée. If daddy falls sick. Si papa est malade. Ezekiel, we will serve the Lord. Tu dois même dire Ezekiel, toi et moi nous servirons le Seigneur. Philippe, if mama is down. Et Philippe, si maman se sent abaissée. You have to tell your son. Tu dois dire à ton fils. Ezekiel. Ezekiel. As for me and my family. Moi et ma famille. We will serve. Nous servirons le Seigneur. If you see money is running empty in your family, si tu vois qu'il y a un manque d'argent dans ta famille, then you start to worry. Et tu commences à t'inquiéter. You gotta take the word of God. Tu dois prendre la parole de Dieu. You gotta tell your son. Et tu dois dire à ton fils. Ezekiel. Ezekiel. God will provide. Dieu pourvoira. Because it's for me and my Parce family. Que moi et ma maison. We will serve the Lord. Seigneur. Amen. You put it in his heart. Il faut mettre ça dans son cœur. Dorothée. When you get afraid. Quand tu as peur. When you become anxious. Quand tu es anxieuse. You're insecure about the future of your baby. Quand tu es dans l'insécurité sur le futur de ton bébé. You gotta pull the sleeve of your husband. Tu dois tirer sur la manche de ton mari. And you gotta say, Philippe. Il faut dire Philippe. As for me and my family. Moi et ma famille. We will serve the Lord. Nous servirons l'Éternel. We will serve. Nous servirons l'Éternel. And at this baby dedication church, et aujourd'hui à cette dédicace de bébé, I want to tell you the same thing. Et je vais vous dire la même chose à vous, Église. Parents, if your children get discouraged. Parents, si vos enfants se découragent. If school gets difficult. Si l'école devient difficile. Which can get difficult. Et ça peut devenir difficile. If job, if whatever the future, if you are insecure about the future of your own children. Et si vous êtes dans l'insécurité du futur de vos propres enfants. Fathers, you gotta stand up. Les pères, vous devez vous lever. You gotta shout it in your house. Et vous devez le proclamer dans votre maison. As for me and my house. Moi et ma maison. We will serve the Lord. We won't go to counsel with people of the world. Nous n'allons pas chercher des conseils avec les gens du monde. We won't go to fortune tellers. Nous n'allons pas voir des diseuses de bonne aventure. Oh, 'cause I heard people. Parce que j'entends des gens. Christian families. Des familles chrétiennes. That were insecure about the future. Qui avaient peur du futur. So they go to fortune tellers. Et donc ils vont vers des personnes qui savent lire leurs mains. People that can read your future in your head. Des gens qui savent lire le futur. Or they throw some cards. Ou qui lisent le tarot. And they say this is what's going to happen to your children. Et leur disent voici ce qui va se passer à tes enfants. No, we don't serve that. On ne doit pas servir ça. Stay home. Vous devez rester à la maison. Say, I wait on the Lord. Et j'attends sur le Seigneur. Because we will serve. Parce que nous allons servir le Seigneur. He is faithful. Il est fidèle. He is faithful. Il est fidèle. Amen. Young people. Jeunes gens. If it gets difficult. Si c'est difficile. And you don't have your dad. Et que vous n'avez pas votre père. You don't have your mom. Vous n'avez pas votre maman autour de vous. You don't have anybody to tell you, let's serve the Lord. Et il n'y a personne autour de vous qui peut vous dire, servons le Seigneur. I've always had family, so let me just tell you this. Moi j'ai toujours eu de la famille, mais laissez-moi vous dire ceci. You got a church family. Vous avez une famille qui est l'Église. That is about 80 people. Et on est 80. And if you're missing somebody, et s'il vous manque quelqu'un dans votre famille, the family of the church. Il y a la famille de l'Église. And I promise you, we will be there. Et je vous promets qu'elle sera présente. Telling you, hey. Qui va vous dire, elle va vous dire, we're gonna help you. Nous allons t'aider. Serve the Lord. Sers à servir le Seigneur. You will make it. Tu vas y arriver. You are not alone. Tu n'es pas seul. Amen. Amen. Hallelujah. We will serve. Nous servirons le Seigneur. And as every baby dedication, et à chaque dédicace de bébé, I want to remind the parents, je veux rappeler aux parents, that it's actually a parent dedication. Que c'est en fait la dédicace des parents. Amen. The baby cannot dedicate anything. Oh, le bébé, il sait rien offrir. He's too young for that. Il est trop jeune pour s'engager. But the parents know very well. Mais c'est les parents qui savent très bien. What they are dedicating to. Les parents savent très bien à qui ils donnent ou ils engagent ce bébé.
We first need to dedicate the parents to a lifetime of service to the Lord. Et nous devons d'abord faire en sorte que les parents s'engagent à un service de la vie entière à Jésus. Now, Dorothée et Philippe have already made the choice a long time ago. Et frère Philippe et sœur Dorothée ont déjà fait ce choix depuis très longtemps. Amen. But today they have confirmed it. Et aujourd'hui, ils l'ont confirmé. They confess it to God. Ils l'ont confessé au Seigneur. And they confess it to the church. Et ils le confessent à l'église. And they say, et ils disent, as for me and my house, moi et ma maison, we're gonna serve nous servirons le Seigneur. No matter what happens. Peu importe ce qu'il se passe. I won't turn back. Je ne vais pas me détourner. I won't give up. Je ne vais pas abandonner. I will fight. Je vais me battre against any devil that comes to my family. Contre tous les démons qui viennent contre ma famille. Fight any spirit that might attack my family. Contre tous les esprits qui peuvent attaquer ma famille. I will pray for my family. Je vais prier pour ma famille. I will make sure. Je ferai en sorte. We serve. Que nous continuerons à servir le Seigneur. Amen. Amen. Now these parents. Et ces parents. Philippe et Dorothée. Frère Philippe et sœur Dorothée. They are wonderful parents. Ce sont de merveilleux parents. Amen. And they are passionate about God. Et ils ont une passion pour le Seigneur. God has given both of them a ministry in the church. Et Dieu a donné à chacun d'entre eux un ministère dans l'église. And I believe that God has a ministry for them that we have not yet seen. Et je suis sûr que Dieu a encore un autre ministère que nous n'avons pas encore vu. I got to know them on a more personal level ever since I became pastor in this church. Et depuis que je suis pasteur de cette église, j'ai pu apprendre à les connaître davantage. And I love these people. Et j'aime ce couple. J'aime tout le monde. But I love these people. Et j'aime ce couple. Amen. They are great servants for the Lord. Et ce sont de merveilleux serviteurs pour le Seigneur. Amen. They are passionate for the work of God. Ils ont une passion pour l'œuvre de Dieu. And they have put everything in their lives in such a way that they can serve God every day of their lives. Et ils ont arrangé leur vie d'une telle sorte qu'ils peuvent servir le Seigneur tout le temps. The love that they have for their baby Ezekiel. Et l'amour qu'ils ont pour leur bébé Ezekiel is amazing. Est incroyable. And I firmly believe. Et je crois fermement. The father has an influence of peace upon his child. Que le père peut donner de la paix à son enfant. Not peu, il a. Il a une influence de paix sur son it's enfant. It's already there. Elle est là. Amen. Give you a little story. Je vais vous donner une petite histoire. We were walking in the woods. On marchait dans les bois. The parents, these were the woods. Et donc on était vraiment dans les bois. C'est pas la forêt, hein? C'est pas un parc. This is the beach. C'était vraiment au fin fond des Ardennes. Il y avait des grandes montées, it went very steep down, des grandes descentes. And it was covered with mud everywhere. Et il y avait de la boue partout. Now they decided we'll go with the buggy and we'll join you. Et ils ont dit on va venir avec le buggy, on va joindre. Philippe c'est un 4x4, un tout terrain buggy. Donc Philippe a dit c'était une poussette tout terrain. And I was thinking right. Et j'ai dit ouais c'est ça. But so they went along with us. Mais ils sont venus avec nous. We came to a point where we could not push the buggy anymore. Mais on est arrivé à un moment où on n'arrivait même plus à faire avancer le buggy. It was too muddy. Il y avait trop de boue. And with the words of Sister Annelise, she told us yesterday. Et avec les paroles de Sœur Annelise qu'elle nous a dites. The epitome of team building. Le point culminant de cette construction d'équipe. And of our youth group working together. Et de voir notre groupe de jeunes travailler ensemble. Was that directly, some of our brothers said, "Hey, let's carry that poussette." Et c'est que directement certains des frères ont dit, on va porter la poussette. Take the baby out. On va faire sortir le bébé. And they were marching like they had the ark on their shoulders. Et ils marchaient comme s'ils portaient l'arche de l'alliance. They were trying to keep it steady. Et ils essayaient que ça reste bien stable. They made sure nothing moved. Et ils voulaient faire en sorte que rien ne bouge. It was like the Levites carrying the ark through the debris. Et vite qui portait l'arche à du bruit. C'était merveilleux à voir. But because it was slippery, mais parce que ça glissait, Brother Rémi fell. Frère Rémi est tombé.
And he was carrying the poussette. Mais il portait la nacelle. Immediately, a couple of brothers jumped in there. Et directement, il y a d'autres frères qui sont venus. Trying to pick him back up and the poussette. Essayer de relever Rémi et la nacelle. But the baby was not in there. Mais le bébé n'était pas dedans, heureusement. So the baby was safe, hanging on the chest of his father. Et le bébé était en sécurité contre la poitrine de son père. But the mother got kind of worried. Mais la maman a commencé à s'inquiéter. And it shows the love that they have for their child. Et ça montre l'amour qu'ils ont pour cet enfant. And the love that the church has to make sure that we are there to support. Et l'amour que l'Église a aussi parce que pour montrer qu'on est prêt à les aider. And what happened was that Felipe was carrying the baby on his chest in a little bag like that. Et donc Philippe avait le porte-bébé, donc il portait Ézéchiel sur sa poitrine. And I was walking close to him. Et moi, je marchais proche de lui. And it was very slippery. Et il y avait une pente très glissante. And I fell. Et moi, je suis tombé. And if I would carry the baby, et moi, si je portais le bébé, it would be covered with mud. Il aurait été rempli de boue. And much worse, probably, et than that. Pire que ça, probablement. But Felipe was walking as if he was surrounded with angels. Mais Philippe marchait comme s'il était entouré d'anges. I never saw you holding on to a branch. Je n'ai jamais vu tenir une branche d'arbre. He just walked through that with his baby. Oh, nobody should talk to him. Just leave me alone. Et personne n'avait lui parlé, mais il était concentré. And he said, I was zen. Il a dit, moi j'étais zen. And the baby was sleeping all. Et pendant toute la promenade, le bébé faisait que dormir. When the Levites were carrying, he was like. Et quand les Lévites le portaient alors qu'il était encore dans la nacelle, il dormait aussi. When we changed him from there to the arms of Philippe. Et quand on l'avait enlevé de la nacelle pour le mettre dans le porte-bébé, il dormait encore. He was sleeping. Il dormait. There was such peace. Il était tellement paisible. And Philippe, et Philippe, that is the grace of God. Ça, c'est la grâce de Dieu. That's an influence that you, as a godly father, can have on your child. C'est ça l'influence de toi comme en tant que père pieux, tu peux l'avoir ça sur ton enfant. Peace. La paix. In the midst of storms. Au milieu de la tempête. Because you say. Parce que tu as dit. We will serve. Moi et ma maison nous servirons le Seigneur. We will serve. Nous servirons le Seigneur. Now what happens? For both of you. Et ce qui se passe pour vous deux. And what happens to you? Et ce qui se passe à vous et puis. If you choose to serve the Lord. Si vous choisissez de servir le Seigneur. What happens is that you dedicate yourself. Ça veut dire que vous vous engagez. To God. Envers Dieu. And to His service. Et à son service. Will our lives be without any problem? Est-ce que notre vie sera sans problème? Absolutely not. Pas du tout. Absolutely not. Pas du tout. But we have somebody. Mais nous avons quelqu'un. Fighting for us. Qui combat pour nous. We have somebody. Nous avons quelqu'un. That faces our giants. Qui fera face à nos géants. We have somebody. Nous avons quelqu'un. That we can hold on to. À qui nous pouvons nous accrocher. That will lead us through the fire. Qui va nous diriger au travers du feu. Lead us through the water. Nous diriger dans les flots. Lead us through the storms. Dans les tempêtes. And bring us into safe places. Et va nous amener dans son abri. Amen. Because we serve the Lord. Parce que nous servons le Seigneur. We are showing to God, Philippe et Dorothée. Au Seigneur aujourd'hui, frère Philippe et sœur Dorothée. God, we recognize this gift. Dieu, nous reconnaissons que ce cadeau. It comes from you. Qu'il vient de toi. It does not belong to us. Ça ne nous appartient pas. It belongs. Ça t'appartient. Amen. Amen. We commit His entire life. Et nous engageons sa vie entière. Into your hands. Dans tes mains. We hold His future. Et nous tenons son futur. Into your will. Nous la mettons selon ta volonté. Your future will be drawn by your hands. Et son futur sera dessiné par ta main. We, you both. Vous. Will watch over His spiritual progression. Vous devrez faire en sorte de regarder sa croissance spirituelle. And His spiritual walk with the Lord. Et sa marche avec le Seigneur. Never restraining Him. Jamais l'empêcher d'avancer. But always with a gentle push. Mais toujours l'encourager. Let's go. Allons-y. You parents lead by example. Et vous, les parents, vous devez diriger par exemple. You pull it. Vous devez le tirer vers l'avant. You don't need to push. Vous ne devez pas le pousser.
you pull it. Mais le tirer vers l'avant. Because you show the example. Parce que c'est vous qui montrez l'exemple. Amen. And then he will follow. Et il vous suivra. You'll make sure that you teach him God's ways and God's words. Et vous devez faire en sorte de lui enseigner les paroles et les voies du Seigneur. Then he will promise. Et qu'il promette. Because I am his creator. Parce qu'il a créé, il l'a créé. My eye is upon him. Et ses yeux sont sur lui. Every single day. Tout le temps. Amen. That's what happens when you dedicate yourself. Et c'est ça ce qui se passe quand tu t'engages envers le Seigneur. Now, parents, here comes the second choice. Et voici le deuxième choix qui vient. Church, here comes the second choice. Église, voici ton deuxième choix. God's eyes upon you. Les yeux du Seigneur sont sur toi. Because you commit to him. Parce que tu t'es engagé envers lui. Now, here comes the second choice. Et voici le deuxième choix. Will you trust God? Est-ce que tu vas faire confiance à Dieu? Taking care of Ezekiel. Est-ce que tu vas faire confiance que le Seigneur va prendre soin d'Ézéchiel? Will you trust God? Est-ce que tu as foi en Dieu? Parents, that He will take care of your children. Que le Seigneur va prendre soin de vos enfants. Do you want to play God over your children? Ou est-ce que vous voulez jouer le rôle de Dieu sur vos enfants? Trying to dictate every single step they take. Essayant de dicter tous les pas qu'ils doivent prendre. Or will you, as we have learned? Ou est-ce que comme nous on l'a appris? When you see them taking wrong paths. Quand vous voyez qu'ils prennent des mauvais chemins. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In all things, I give thanks. En toutes choses, je dois rendre grâce au Seigneur. Because I know that you will turn it around. Parce que je sais que tu vas tourner cette situation. You cannot play gods over your children. Vous pouvez pas être Dieu sur vos enfants. You can just be a good, godly influence. Mais simplement être une influence pieuse. But in the end, it's He. Mais c'est lui. That's going to direct their steps. C'est Dieu qui dirigera leurs pas. Right. Amen. Amen. Do you trust God with that? Est-ce que tu fais confiance à Dieu pour ça? Because parce que giants will come. Les géants viendront. Giants will come. Right. Les géants viendront. Yes. And Felipe. Philippe, I've seen you play soccer. Je l'ai vu tu jouais au foot. And you destroyed my foot. Et tu as détruit mon pied. And you like to be physical and strong. Et tu aimes être physique et fort. But Ezekiel will face giants. Mais Ezekiel devra faire face à des géants. That you will never be able to defeat. Et tu seras jamais capable de vaincre ces géants. No matter how much you pray. Peu importe à quel point tu vas prier. And how much you fast. À quel point tu vas jeûner. There will be giants. Il y aura des géants. That he alone. Que lui seul. Has to say. Devra dire. I'm gonna face them. Je dois faire face à mes géants. And you can stand there. And et tu peux être là. You can pray. Tu peux prier. Make sure you don't panic. Mais tu dois faire en sorte de ne pas paniquer. But he will face giants. Mais lui fera face à des géants. That God will say, et Dieu dira. Don't touch it. N'y touche pas. That's between me and Ezekiel. C'est moi et Ezekiel. Amen. David had an entire army around him. Et David avait toute une armée autour de lui. Not a single person went to help him. Mais personne n'est venu l'aider. Nobody. Personne. It was his giant. C'était lui face Amen. À son géant. And it was his victory. Et c'était sa victoire. We are there to help you. Nous sommes là pour vous aider. You got your family there to support tu as ta famille autour pour te supporter. But the giant of Ezekiel, mais les géants d'Ézéchiel, he'll have to do it by il devra faire ça tout seul. Right. Don't worry. Mais right. Ne t'inquiète pas. Because we serve a giant slayer. Parce que Amen. Nous servons quelqu'un qui abat les géants. We got a giant slayer. Nous avons quelqu'un qui combat les géants. And his name is Ezekiel for a reason. Et ils l'ont appelé Ézéchiel pour une raison. Amen. He'll be a mighty prophet. Ce sera un prophète puissant pour le Seigneur. Amen. I have two words for both of you. Et j'ai deux paroles pour vous. Then I'm going to conclude. Et ensuite je vais conclure. Is that okay? Est-ce que ça va pour vous? I'll start with Dorothée. Je vais commencer avec Sainte Dorothée. This is a word that I want to speak to you. C'est une parole que je veux prononcer pour toi. We have discussed about your giant. Et nous avons discuté de ton géant. You have discovered what your giant is. Tu as découvert quel était ton géant. And Ezekiel will face his giant. Et Ezekiel fera face à son géant. That you cannot defeat. Et tu ne pourras pas les battre. But I got a word that I want to tell you. Mais j'ai une parole pour toi. In those moments, et dans ces moments-là,
You will have to take your hands off his life. Tu devras retirer tes mains de sa vie. Say thank you, Lord. Et dire merci, Seigneur. Have your way with him. Et ta volonté dans sa vie. Whenever worries come. Peu importe quand les peurs arrivent. Remember. Souviens-toi. God is watching over your child. Amen. Dieu veille sur ton enfant. Every second. À toute seconde. Every day. Tous les jours. Every year of his life. Et toutes les années de sa vie. Matthew 10 and 29 says. Matthieu 10, 29 dit ceci. Are not two sparrows sold for a farthing? Matthew 10 and 29. Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. That's not a lot of money. Donc on ne vend pas ces choses à très cher. Yet not one of them shall fall on the ground without your father knowing it. Cependant, aucun de ces petits oiseaux ne tombe par terre sans la volonté de notre Père. But the very hairs of your head are all numbered. Et même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Fear ye not therefore, you are of more value than many sparrows. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Right. Amen. God sees every sparrow that falls on the ground. Et Dieu voit tous les moineaux qui tombent par terre. How much more will he watch over Ezekiel? Et combien plus il ne va pas veiller sur Ezekiel? If he falls. Si lui il tombe. He will be there. Dieu sera là. He will be there. Il sera là. He will be there. Il sera là. Amen. He will be there. Il sera là. And then he says. Et ensuite il dit, the same chapter, dans le même chapitre, don't worry about the day of tomorrow. Ne t'inquiète pas du lendemain. Don't worry about how you're going to clothe him, how you're going to feed him. Ne t'inquiète pas comment tu vas l'habiller ou comment tu vas pouvoir le nourrir. He is your provider. Dieu pourvoira. Amen. Amen. And he's the protector of your child. Il est celui qui protège ton enfant. Amen. Philippe. Philippe. As the man of the household. En tant que chef de la famille. Chef de la famille. You are the spiritual priest. Tu es le prêtre spirituel. That's a responsibility that you carry on your shoulders. Et c'est ça ta responsabilité. You set the pace for the family. C'est toi qui dois donner le rythme à ta famille. You set the spiritual progression of your family. C'est toi qui dirigeras la progression spirituelle. You need to lead by example. Et tu dois être un exemple. And you need to embody what it means to be a Christian. Et tu dois être ce qu'est un chrétien. Your child needs to know by looking at you. That's what a Christian is needs to be. Et ton fils doit savoir en te regardant, ça c'est un chrétien. You know why? Tu sais pourquoi? Because he will imitate anything you do. Parce qu'il va imiter tout ce que tu fais. Anything. Tout. The way you praise the Lord. La manière dont tu loues le Seigneur. The way you pray. La manière dont tu pries. The way you preach. La manière dont tu prêches. The way you everything. Tout. He will imitate you. Il va tout imiter. You give him a bad example. Si tu lui donnes un mauvais exemple, your son gonna think that's the way it should be. Et ton enfant va penser, ah, c'est comme ça que je dois être. He's gonna follow him. Et il va suivre ça. But you give him a good example. Mais il faut lui donner un bon exemple. Then he's gonna say, that's what a Christian needs to be. Et il va voir que c'est comme ça qu'un chrétien doit être. And you will instill values in him. Et tu dois installer des valeurs à l'intérieur de lui. That later on he will say. Plus tard, il dira. That was just like my dad. Ah, ça, c'était comme mon papa. So you lead by example. Tu dois être un exemple. Become like Christ. Tu dois être comme Christ. And your son will follow your example. Amen. Et ton fils suivra ton exemple. And will become like Christ. Et sera comme Christ. And something personal I want to tell you. Et quelque chose de plus personnel. The sensitivity that you have. Cette sensibilité que tu as. The sensitivity to the moving and to the spirit of the Lord. La sensibilité que tu as à l'agissement de Dieu. The fact that you can show your emotions. Et le fait que tu n'aies pas honte de montrer tes émotions. You cry. Que tu pleures. You shout. Que tu cries. You laugh. Que tu rigoles. You dance. Que tu danses. These emotions. Ces émotions-là. You need to put it in your child. Tu dois les mettre dans ton fils. Amen. You need to teach your son. Tu dois enseigner à ton fils. That it is okay. Que c'est bon. To cry. De pleurer. That it is not less of a man if he can cry. Que tu n'es pas une mauviette si tu pleures. Because a real man. Parce qu'un vrai homme. He can cry. Peut pleurer. Right. If my God cried when he watched over Jerusalem. Et si mon Dieu a pleuré quand il a regardé Jérusalem. I'm gonna cry. Moi je vais pleurer aussi. If I'm hurt. Si j'ai mal. Gotta put that sensitivity in him. Et il faut lui donner cette sensibilité.
Amen. That will make him strong. Et ça va le rendre fort. And it will make him balanced. Et ça va le rendre équilibré. Let him love the word of God. Qu'il aime la parole de Dieu. Teach it to him. Et enseigne-lui ça. And bring him to the house of the Lord. Et amenez-le dans la maison du Seigneur. Every time you can. À chaque fois que tu peux. Amen. And church. Et église. The same for you. C'est la même chose pour vous. Same for you. Don't worry about the future. Ne vous inquiétez pas du futur. Because God is watching over you. Parce que Dieu vous regarde. Parents, God is watching over your children. Parents, Dieu veille sur vos enfants. There's not a bird falls on the ground without God knowing it. Il n'y a pas un oiseau qui tombe par terre sans que Dieu le sache. God sees when your children fall. Et Dieu voit quand vos enfants tombent. And God sees young people when you fall. Et Dieu vous voit jeunes gens quand vous tombez. He's there with you. Relever. Put you back on the way. He's with us, not against us. Amen. 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 Be sensitive to God. Soyez sensible. Learn how to cry before God. Don't be so stoic in the presence of God. Tellement stoïque dans la présence du Seigneur. God does not need stoic people. Dieu n'a pas besoin de personnes stoïques. The rock can cry out to him if he wants to. Et même les rochers, les pierres peuvent pleurer pour lui si God wants men and women of flesh and blood. Et Dieu désire des hommes. That have some passion running through their veins. Une passion à l'intérieur de leurs veines. And sometimes they get angry. Et une passion qui les rend parfois. Sometimes they cry. Ou qu'ils pleurent. There's an emotion. Qu'il y ait une émotion à l'intérieur de nous. That God can work with. Avec laquelle Dieu peut travailler. That he can turn. Qu'il peut changer. And channel into a fire et for him. Et qu'il peut Amen. Faire de ça un feu brûlant pour lui. Mais ça. Dad. You have jingled the door. My son likes to jump. Mon fils aime sauter. You put him on a trampoline and he'll jump all day. Si vous le mettez sur un trampoline, il va sauter toute la journée. All day. Tout le temps. You know why? Vous savez pourquoi? Because I like to jump in church. Parce que moi j'aime sauter à l'église. He saw me jump in church. Il m'a vu sauter à l'église. You should see him how he jumps at home. Il faudrait le voir sauter à la maison. Papa, papa, Jerry. Et fait Jerry. Jumpo. Et fait Jumpo. He jumps and he imitates everybody that jumps. Il imite tout le monde de l'église qui saute. And then I need to play on the guitar. Et après je dois jouer à la guitare. What song do I need to play? It's a friend of God. Can't stop. Can't stop. We. Encore. He jumps because I like to jump for the Lord. Il saute parce qu'il m'a vu que il a vu que j'aimais sauter pour le Seigneur. You know what he said in the car today? Et vous savez ce qu'il a dit? C'est we got out the gate. Il a dit on va à l'église. And say yuppie. Yeah, yuppie. Gate. Église. Faut le mettre ça. I don't know what's gonna happen with him later. Et je sais pas ce qui va se passer avec mon fils plus tard. I'm not gonna worry about that. Mais je vais pas m'en soucier. I got today. J'ai aujourd'hui. And right now. Et maintenant. I'll make sure my son loves the house of the Lord. Que mon enfant aime la maison du Seigneur. I'll make sure that he knows how to jump for Jesus. Je vais faire en sorte qu'il sache sauter pour Jésus. You can put that in Ezekiel. Et tu peux mettre ça aussi dans Ezekiel. And parents. Les parents, you can put that in your children. Vous pouvez mettre ça aussi dans vos enfants. Young people, jeunes gens, the family of the church, la famille de l'église. You can put that in your spirit. Vous pouvez mettre ça dans vos esprits aussi. Amen. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. We have one scripture and then I'll finish. Ephesians 6:4. I would like for the family to come. J'aimerais que la famille s'approche. Amen. Family of Sister Dorothée and the family of Brother Philippe. Que la famille de sœur Dorothée et de frère Dorothée. With the mother and the father. Philippe s'approche. Le papa, la maman, le frère, la sœur. Papa Gless is blessed. Papa Gless est béni. He got two sons that work in the ministry. Il a deux fils qui travaillent pour le Seigneur. Amen. We tell you that, Father, that is a blessing. Et ça, c'est une bénédiction, papa. That doesn't happen everywhere. Toutes les familles n'ont pas ça. Mama, you got two sons. Et maman, tu as deux fils. That are great servants of the qui Lord. Servent le Seigneur. That is wonderful. Et c'est merveilleux. Amen. So, let's see how we're going to do this. Vous pouvez vous approcher un peu. Amen. The church, I would like us to stand. Et j'aimerais que l'église se lève également. I want a scripture that I want to read.
Et j'ai une écriture que je veux lire. Ephesians 6 and 4. Ephésiens 6, 4. Ephesians 6 and 4. Ephésiens 6 et 4. And you fathers, provoke not your children to wrath. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. But bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. This is my task I give to you. Et ça, c'est la tâche que je vous donne. That's what I can do as your pastor. Et en tant que pasteur, c'est ce que j'aimerais faire. Bring Ezekiel. Éduquer Ezekiel. Up in the fear and the admonition of the Lord. Dans la crainte du Seigneur. You will fail sometimes. Parfois, vous allez échouer. Sometimes you'll be a bad example. Parfois, tu seras un mauvais exemple. But you have to continually say, mais il faut continuellement dire, hey, we're gonna get back up, nous allons nous relever, because we made the choice, parce que nous faisons le choix, we're gonna serve the de servir le Seigneur. We're gonna serve together. Nous allons servir ensemble. Family, la famille, I trust you are there. J'ai confiance que vous serez présents pour you eux. Got much more experience than us young people. Et vous avez plus d'expérience que nous, les jeunes. Amen. If you see, hey, we can help them there. Et si vous voyez que vous pouvez les aider, family, be there and support them. Famille, soyez là pour les aider, pour les supporter. Church family, look, la just famille. Turn around, see how big your family is. Et retournez-vous et regardez votre grande famille de l'église. Look how big your family is. Voilà. It's all brothers and sisters. C'est tous des frères et sœurs. One of you can help them. Et chacun des membres de cette église peuvent aider. One word. Peut aider. Brother, avec une parole. Brother Alain. Frère Alain. Just from, hey, I'm praying for you. Simplement dire, hey, je prie pour toi. That might just be enough for Philippe. Ça peut être suffisant pour Philippe. Or a sister that says, hey, I got a Bible verse for you, Dorothée. Ou une sœur qui dit, ah, Dorothée, j'ai un verset biblique pour toi. That just might be enough. C'est suffisant. To bring them out of a valley. Pour les ôter d'une vallée. That's why we are here, church. Et c'est pour ça que l'église est ici. Vous pouvez vous tenir. Serve the Lord. Servez le Seigneur. I'm going to ask you two questions. Et je vais vous poser deux questions. And I know the answer you're going to give. Et je connais la réponse déjà. But I'm still going to ask. Mais je vais quand même vous poser la question. Because I want to hear. Parce que je veux l'entendre. Philippe et Dorothée. Philippe et Dorothée. I've just given you a couple of tasks that you need to do. Et je vous ai donné des tâches à réaliser. Do you commit to these tasks that I just laid before? Est-ce que vous vous engagez à réaliser les tâches que je vous ai données? Yes. Avec joie. Amen. Philippe et Dorothée. Philippe et Dorothée. Here is my question. Voici ma question. Will you and your house? Est-ce que vous et votre maison. Serve the Lord until you die. Allez servir le Seigneur jusqu'à votre mort. Or until he comes back. Ou jusqu'à son retour. Will you serve? Est-ce que vous allez servir le Seigneur? I believe in their amen or yes. Et moi je crois dans leur amen et dans leur oui. We're gonna help them. Et nous allons les aider. Church. Église. Some of you brothers, if you wouldn't mind. Frères, si vous voulez. Some of you sisters, si vous voulez aussi. We're going to pray for them. Nous allons prier pour eux. For the parents. Pour les parents. And we're gonna give the child to the Lord. Et on va donner, confier cet enfant au Seigneur. As we pray. Et alors que nous prions. I want you to say, God. J'aimerais que vous disiez. I dedicate myself again to you. Seigneur, je me donne à toi à nouveau. Can we do that? Est-ce qu'on peut faire ça? Let's pray. He has to flee. He has to flee.
We are to serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. Doesn't matter what happens. Peu importe ce qui se passe. Amen. On that day, we're going to serve the Lord. Frère Anakli, nous allons servir le Seigneur. We're going to serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. Brother Andy, we're going to serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. We're going to serve the Lord. Brother Jerry, we're going to serve the Lord. Amen. There's a song I like to sing. Et il y a une chanson que j'aime chanter. Sorry, we're gonna go home with. Et nous allons partir à la maison avec cette chanson-là. You got it, Timothy? Timothy's got it. Timothy, we're gonna serve the Lord. Nous allons servir le Seigneur. Amen. Sacrificial. He and my family, we will serve the Lord. Amen. Hallelujah. I want you to grab somebody by the hand. Prenez quelqu'un par la main. Just grab him like this. Prenez votre voisin par la main. You tell him. Et dites-lui. If it's a brother, you tell him brother. Et si c'est un frère, vous lui dites frère. You're my brother. Tu es mon frère. But if it's a sister, et c'est une sœur. You say you're my sister. Tu es ma sœur. Take me by the hand. Prends-moi par la main. We're gonna march forward. Et nous allons aller de l'avant. Until he comes again. Jusqu'à son retour. Amen. My brother, you're my sister. So take me by the hand. Together. Come on, families, I need you to get together, brothers and sisters, everybody. Les frères et les sœurs, obey the Lord. Obéissez au Seigneur. Obey the Lord. Obéissez au Seigneur. Come on, we're not playing in the house of God. Et nous ne jouons pas dans la maison du Seigneur. I feel this in the Holy Ghost. Je sens ça dans le Seigneur. It won't take more than 2 minutes. Ça ne va pas prendre plus de 2 minutes. Let's get together, families. So you hold each other's hands. Et je vais demander à toutes les familles de se tenir la main. Whether you were two, five. Que vous soyez à 2 ou à 5. I feel it in the Holy Ghost. Et je sens dans le Saint-Esprit. That God wants us que to Dieu walk veut and que nous marchions et que nous œuvrons, travaillons together. Ensemble. We cannot do that. On ne peut pas le faire if we are angry with each other. Si nous sommes fâchés l'un envers l'autre. No, we're families. Et nous sommes des familles. We all get angry. Et on se fâche. C'est normal. It's brothers and sisters, fathers and husbands and wives. Mari, femme, frère, sœur. It happens. Ça arrive. But at times like this. Mais dans des moments comme ça. There is a gracious presence in the Lord. Il y a la grâce du Seigneur qui est présente dans ce lieu. That is going to enable us. Et cette grâce va nous rendre capables. To forgive. D'oublier, de pardonner. And to say, hey, I love you, my brother. Et de dire je t'aime mon frère. Let's work together. Travaillons ensemble. That's what I want to do right now. C'est ce que je veux faire maintenant. That's what I feel. C'est ce que je sens dans le Seigneur. God's gonna give you the strength. Dieu va vous donner la force. To say. De dire. So I've been clean and let's move forward. Effaçons tout et avançons. We're gonna do that with prayer. On va faire ça par la prière. You hold each other's hands. On va se tenir la main. If you are a father. Et si tu es un père. You take the lead in your prayer. Père, prenez la direction de la prière. Fathers, Père, where are you, fathers? Où êtes-vous les pères? Forgive me for the word, but we gotta stop being wimps for Jesus. Excusez-moi pour le mot, mais on doit arrêter d'être des mauviettes. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. There is an authority that rests upon your shoulders. Il y a une autorité qui a été mise sur vos épaules. There is an authority that rests on your shoulders. Il y a une autorité qui est sur vos épaules. If you pray for your family, si vous priez pour vos familles, listen to me. If you pray
pray for your family, si vous priez pour vos familles, God is going to hear your prayer. Dieu va entendre vos prières. Because he respects the spiritual order. Parce qu'il respecte cet ordre spirituel. If you're not here with your fathers and mothers, et si vous n'êtes pas là avec votre père ou votre mère, but you're the oldest brother, you're the oldest sister, mais que tu es le frère ou la sœur aînée, you lead in prayer. C'est toi qui dirige la prière. Okay? God's going to break shackles. Dieu va briser les chaînes. God's going to move. Dieu va agir. All of you gonna pray. Vous allez tous prier. But fathers, you gotta do it with authority. Mais père, vous devez le faire avec autorité. Speak things. Dites les choses. In the name of Jesus, dans let's pray. Lord, I pray that forgiveness will reign in our families. Pray that you'll restore families, Lord. That you make our bonds tight, strong, anointed with love and with grace and with mercy. Lord, I pray for our fathers that they can be bold, strong, wise, balanced, kind, and gracious. Lord, I pray forgiveness will move over our families. That we can forgive each other. We can forget and let go. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. That's it. That's it. Come on, pray, families. Pray. Pray. Hallelujah, hallelujah. We commit ourselves. We dedicate ourselves. We dedicate ourselves. Hallelujah. Come on, in the back, families, let the Spirit of God move. Give them a big hug and say we're gonna be.